Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que mon retour le mois dernier vous a plu. Comme promis, je reviens avec une nouvelle vidéo tous les mois. On se retrouve donc pour l'épisode Son héros, écrit par Tony Perling et Beth Sullivan et réalisé par Reza Bahi. La scène d'introduction nous présente la situation de l'épisode. Colleen est une jeune fille pleine d'enthousiasme pour la médecine et va commencer à s'intéresser aux histoires amoureuses que lisent ses amis et va progressivement s'identifier au personnage féminin, plaçant celui dans le rôle du personnage masculin, sauvant l'héroïne. On voit bien l'attrait grandissant qu'elle a pour celui, et la scène où il l'enroule de la couverture n'arrange absolument pas la situation puisqu'elle prend ça pour un signe d'amour. Dans cet épisode, Colleen est focalisée sur celui, alors que sans le savoir, un garçon de son âge est clairement attiré par elle. Le pauvre Lewis essaie d'attirer son attention, mais en vain. Elle ne le considère que comme un ami. Si on prend un peu de recul sur la situation, c'est vrai que Colleen est juste une ado comme les autres, qui commence à avoir du désir pour la gente masculine, et pour ça, qui de mieux que celui. Si on doit être totalement honnête, nous aussi à sa place, on serait clairement tombé amoureuse de lui. D'ailleurs, qui ne l'a pas déjà été? Colleen a sans doute l'une des idées les plus immatures et dangereuses de la série lorsqu'elle décide de se cacher dans la mine en attendant que Sully vienne la secourir. Encore une fois, ce n'est qu'une enfant et qui n'a jamais fait d'erreur ou de bêtise en ayant son âge. Je pense que tous ses actes dans cet épisode peuvent être justifiés par son âge, même si personnellement je trouve que son comportement est très différent de celui qu'elle a par la suite de la série, elle qui est habituellement réfléchie et particulièrement intelligente. Je pense que cet incident lui aura vraiment servi de leçon, puisqu'elle a failli perdre ses mains, et avec cette aventure, elle tire une vraie leçon de vie importante. Le jeu d'acteur d'Erika Flores, mais comme tous les personnages d'ailleurs, est super crédible. Vraiment, j'ai toujours trouvé que le casting était parfait, et que les enfants, malgré leur jeune âge, jouaient particulièrement bien. Ce qui me fait quand même beaucoup rire, c'est que quelques épisodes avant, Colleen et ses frères essayaient de faire en sorte que Sully fasse la cour à Michaela. On voit quand même bien qu'elle a un grand respect pour Michaela, puisqu'elle lui demande si elle est amoureuse de Sully, et c'est juste après qu'elle ait dit non qu'elle lui avoue ses sentiments. Cet épisode est aussi l'occasion de contredire la réponse de Michaela, parce que évidemment qu'elle est amoureuse de Sully, même si elle veut pas se l'avouer. Et on sent vraiment l'amour entre eux. Il n'y a même pas besoin de paroles en fait, tout se joue dans leur regard. En parallèle, on suit les accusations que Hank propage envers Grace et sa cuisine. Ces passages servent à dévoiler davantage le caractère des personnages, notamment celui de Hank qui est raciste, impulsif, violent, celui de Grace où elle dévoile une femme forte et qui malgré la situation ne se laisse pas faire, et celui de Roberti qui est protecteur et on voit vraiment l'amour qu'il ressent pour elle. Grace est désemparée devant cette injustice et on la comprend totalement, mais elle garde un caractère fort, même si elle ne peut rien faire. On voit toute l'émotion qu'elle ressent et elle est brisée par cette situation, d'autant plus que Hank se sert de sa couleur de peau pour l'attaquer. Cet incident permet de travailler la relation entre Grace et Roberti, où on voit clairement l'attachement et l'amour mutuel. Finalement, Lewis fait ses preuves devant Colleen, non seulement en lui montrant de l'intérêt et en lui offrant des cadeaux, mais aussi parce qu'il élucide la raison pour laquelle Hank est malade. Ce n'était pas la cuisine de Grace, mais bien la viande crue qu'il mangeait. On peut considérer Lewis comme le véritable héros parce qu'il permet de résoudre plusieurs situations, celle de Grace et Hank, et celle de Colleen. Finalement, Colleen finit par apprendre la vérité, Sully n'est pas amoureux d'elle, ce qui lui brise le cœur, mais pour un temps. Les chagrins d'amour, surtout à cet âge-là, sont douloureux, mais s'estompent assez rapidement. Et parfois, ça nous permet d'ouvrir les yeux et de se rendre compte que quelqu'un d'autre est amoureux de nous. Finalement, cette histoire d'amour n'est qu'un fantasme créé par une fiction. Aujourd'hui, les jeunes filles s'imaginent le même style d'histoire avec des personnages de séries ou de films, ce qui rend cet épisode assez intemporel.
Bon, on va pas se mentir, c'est un épisode avec lequel j'ai beaucoup de mal parce que son amour sort de nulle part et on n'en reparle plus jamais. Je suis vraiment pas fan de cet épisode et je pense qu'il y a peu de personnes qui l'apprécient, mais ce n'est pas un mauvais épisode en soi puisqu'il traite de sujets intemporels comme les premiers amours, les premières déceptions amoureuses, l'imagination débordante à cet âge-là, etc. Je dirais que c'est un épisode qui n'était absolument pas nécessaire, mais qui malgré tout reste touchant. C'était également l'occasion de mettre en avant le personnage de Colin qu'on n'a pas beaucoup vu jusqu'à présent, et sa relation avec Michaela. Sincèrement, je savais pas trop quoi dire dans cette vidéo, parce que depuis que je connais la série, à chaque fois qu'on me demande quel épisode j'aime le moins, j'ai toujours répondu celui-ci. Mais en le revoyant aujourd'hui avec des yeux d'adulte, je le trouve pas si mauvais que ça, je pense juste qu'il a été mal amené. Si on avait anticipé cet événement depuis plusieurs épisodes et que Colin était tombée amoureuse de celui progressivement, j'aurais trouvé ça beaucoup plus intéressant et impactant. En traitant un vrai fantasme d'une adolescente pour un homme fort et attentionné, on aurait pu suivre cette évolution qui aurait pu être plus progressive et on aurait moins eu cette impression que ça sort de nulle part. Finalement, Colin, c'est un peu nous à travers notre écran qui tombons amoureuses d'un personnage de fiction. Je ne compte plus le nombre de fois que des fans m'ont dit qu'elles étaient tombées amoureuses de Sully en étant jeunes. Finalement, Colin, c'est nous, à travers notre écran, qui découvrons l'homme idéal. Un personnage de fiction qui nous a fait tant rêver. Je vais m'arrêter là pour cet épisode, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire, et j'aimerais savoir si vous voulez que j'approfondisse plus mes critiques, ou si comme ça, ça vous va. Je vous dis à dans un mois pour une nouvelle vidéo, à bientôt !